Donc le chef mécano, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Bon, j'espère qu'il est là cette fois-ci. Il y a quelqu'un par ici, monsieur le mécanicien. Ah, il y a personne. Putain. Direction le commissariat. Ok. Heureusement que Jameson a réussi à être patron de son entreprise. Très intéressant. Bonsoir messieurs. Jameson, Dawson. Voilà. Salut Jameson. Qu'est-ce qui se passe par ici? En fait, on sécure le cadavre qui est sur le sol. Tu vois ce jeune homme par terre là? Pas vraiment. Ah, il a. Si tu veux, il y a un jeune homme par terre, il était en train de ramper. J'ai voulu l'aider à se relever en lui mettant un coup dans les muscles et du coup il s'est évanoui et il est là depuis tout à l'heure. Il est mort ou pas? Je crois qu'ils arrivent. J'ai besoin que quelqu'un m'emmène quelque part. Tu peux le faire ou pas, Johnson? Bien sûr, tu vas aller où? Viens, je te montre un endroit. Il y a ce monsieur qui veut, qui se propose ses services. Et vous êtes qui? Alejandro. Ah mais je vous connais pas monsieur, je vais pas monter avec un inconnu dans une voiture. Ah non mais il me propose de vous amener. Mais elle est... Monsieur Narvalo, elle est où votre véhicule? Elle est où votre voiture? Elle est là-bas, elle est avec moi. Attendez. Allez, c'est celle-ci. Oh c'est une belle voiture, je pense que Dawson tu devrais aller avec ce ouais, monsieur. Mais non je... J'aimerais plutôt que ce soit toi qui m'emmène. Désolé, mais par contre, t'as une jolie pas voiture soucis. Et j'ai peut-être c'est un argent de chauffeur très bientôt. Tu veux que je prenne ton numéro au cas où? Si, ouais, pourquoi pas. Dawson, on peut y aller? Ok, parfait. Tu veux que je t'emmène où comme ça? Pour me faire payer. Pardon? Ah, mais c'est v'là loin! Attends, mais tu veux qu'on aille où là comme ça là? Bah, c'est pour mon boulot de guetteur, mais c'est très loin. Pour ton boulot de guetteur, écoute, je peux t'y emmener, mais va falloir que tu récupères ton véhicule. Ah ouais? Mais t'inquiète pas, je suis en train de voir pour avoir un deuxième véhicule, comme ça je laisserai le boîtier dans l'autre véhicule. Tu t'es renseigné au niveau de la compagnie de taxi ou pas? Ouais, mais pour l'instant ils attendent, j'ai donné mon CV et ma lettre de motivation. J'ai pas réussi à trouver Zach Lewis, le directeur pour l'instant du journal, mais s'il n'y a pas encore de directeur de compagnie de taxi, tu devrais te dépêcher. L'avantage, c'est qu'en étant chauffeur, tu sais beaucoup de choses. Oui. On va être un peu ridicule avec cette voiture. Je pense pas, je pense qu'on va s'arrêter un peu plus loin, si tu vois ce que je veux dire. Et tu fais ce que tu sais faire le mieux. Ouais. Qu'on soit un minimum présentable tout de même. Je t'avoue que je changerai bientôt de voiture, mais là c'est un peu compliqué. Ça dépend, t'as réussi à amasser combien d'argent? Ah j'en ai pas, malheureusement, c'est... C'est à partir de combien que ça commence à valoir le coup? Ah je pense que... À partir de... Wow! Aïe! Dawson, ça va? Dawson, suis-moi. Mon dieu, mais c'est ton sang. Fais gaffe, fais attention. C'est ton sang, ça, Dawson. Tu vois, Dawson, s'il y a bien un truc qu'on retiendra dans cette histoire, c'est qu'il faut toujours attacher sa ceinture. Tu l'as attaché cette fois-ci? Vas-y, dépose-moi là, si tu veux. Attends, bouge pas. Je t'avance encore un peu, c'est vrai que ça fait loin. Tu veux que je crée un petit bouchon? Ouais, je vais faire mon marché, comme on dit. Attends, emmène-moi à gauche dans la station de service, là. Ok, c'est intéressant, je vois où tu vas en venir. Je vais traverser. Oh, ah, c'est une petite berline, elle date un peu, mais bon, elle devrait faire le boulot. Ouais, merci. Bon, allez, je vais m'acheter des hamburgers tout à l'heure. Oh, putain. Eh, voyez, hein, la sécurité, hein, faites attention, hein. Bon, on va retourner en face du comico. Toujours pas de nouvelles de Zach Lewis, j'ai toujours pas réussi à le croiser, là, ce putain de mécano. Il faut impérativement que je rencontre quelqu'un qui a son contact. Et je pense que je vais lui mettre un peu la pression. Il faudra qu'il me paye un peu plus que 100 dollars. Il faudra que je vois aussi combien j'ai en banque. Il va falloir que j'accepte un ou deux sales boulots aussi pour me faire plus d'argent d'un coup. Demande au capitaine. Ouais, c'est ce que je vais faire. C'est pour ça que je retourne au commissariat. J'aurai bientôt une belle caisse. Parce que c'est vrai que cette caisse est un peu ridicule. Il a pas l'air d'être là. Je pense qu'il a quitté la ville. Ok. Abricot a quitté la ville. Bonjour Ramirez. Ah Ramirez, je peux te... C'est bien appeler tous les prénoms. Pardon? Tarte aux fraises? Non, c'est clairement mieux, quand même pas. Moi j'ai faudrait un traitement. Il doit avoir un souci mental. Oh non, vous inquiétez pas, mon cerveau va très bien. Non, écoutez, c'est juste un petit souci au niveau des prénoms. Je vous laisse ici. Quel plaisir de vous revoir, Tarte aux fraises. Vous êtes très belle aujourd'hui. C'est gentil. Ouais, c'est vrai que toujours un petit succès. Toujours un petit succès dans cette ville. Ah, Jameson? Salut, Jameson. T'as l'air de faire les 100 pas, qu'est-ce que t'arrive? Capitaine n'est pas là? Non, personne n'est là pour l'instant. Y'a un rendez-vous, j'attends mon rendez-vous. Un rendez-vous avec qui, Jameson? Avec un journaliste indépendant qui aimerait être recruté, donc je vais faire une petite, un petit entretien, une entrevue. Attends, téléphone. Allô? Vas-y.
Ouais. Dawson? Ouais, il faut qu'on se voit tout de suite. Ok, mais tu me parais être bien loin, t'es où? Ouais, je viens de rencontrer les mafieux là. Ouais, et alors? Ils m'ont donné les 2 000 $ et ils m'ont donné un présent en plus, mais je peux pas t'en parler au téléphone. Très bien. Écoute, je suis devant le commissariat. Dis-moi où on se rejoint, l'Innocent Club, ça te va? Ouais, ça me va. Bah, je suis là dans 5 minutes. Ça marche. À tout à l'heure. Oui, Jameson. Ouais. Je te disais quoi, excuse-moi, j'ai la mémoire courte en ce moment. Normal, j'étais en train de te dire que j'avais rendez-vous, que j'allais à mon rendez-vous là. Ah, un rendez-vous, oui, pour recruter, c'est ça? Exactement. Oublie pas, il faut Jameson, que je me fasse une petite équipe de 4 ou 5 à peu près journalistes, ce serait pas mal. Oublie pas que pour l'instant on est en travail dissimulé, donc évidemment tu payes personne. Hein. Que non. Bon, pour qui quand même? Je serai connecté sur des affaires étranges. J'aurais dit de pas t'envoyer un message à toi, mais me l'envoyer à moi pour pas que tu sois mêlé si jamais on fouille nos téléphones. Parce que tu sais que la police a les moyens de voir un peu nos conversations. Exactement. Donc je fais en sorte que ton téléphone, tout soit bien dedans. Hop, je me permets de boire en même temps si ça te gêne pas. Vas-y, tiens, fais-toi plaisir. Je vais faire de même. Donc je te dis à tout à l'heure, je vais devoir voir Dawson. Il trempe dans des choses assez étranges. Par contre, il sait à quoi sert le boîtier, tu lui demanderas. Ce sera plus intéressant, je pense. D'accord, ça, je lui demanderai. Marche, Jameson. Et oublie pas, je veux voir un tweet avec une photo. Twitter a été réparé, d'ailleurs. Oui, c'est bon. C'est un passant qui m'a envoyé la photo par mail. Ah, je vais écrire un petit truc. Ouais, écris un petit truc et mets-nous la photo. Je vais voir ça tout à l'heure, Jameson. Fais-moi arriver. À tout à l'heure. Ça marche, t'inquiète pas. À toutes. Très bien. Innocent Club, je l'ai branché sur le... je l'ai branché sur les 2 000 $ cash. Donc par contre, va falloir qu'il me dise c'est quoi son présent. Ça sent la voiture, mais la voiture volée. Donc on va aller voir ce que il a. Ah ouais, mais ma voiture elle va pas tenir. Hein. Ce qu'il a à me dire. Ok, je vais appeler notre ami Dawson pour voir un petit peu où il est. Ouais, je suis sur le parking. J'arrive, je suis à 1 km. A tout de suite. Dawson, t'as vérifié qu'on n'était pas suivi? Ouais, c'est pour ça que j'ai laissé ma caisse derrière. Bon, explique-moi, c'est quoi ce présent? C'est quoi cette histoire? Ah, ok Dawson, il t'en a donné 10 en tout? Ouais. Ok. Il va falloir les mettre à l'abri très vite, parce que si tu te fais arrêter avec ça, t'es dans la merde. Bon, écoute, est-ce que t'en prends 5, j'en garde 5, on essaye de revendre ça vite? Vas-y, et ça par contre, je peux peut-être voir avec... avec moi. Ok, t'as une idée de combien coûte le pochon? Une idée. Le mieux à faire, c'est peut-être que je mette tout dans ma caisse. Je vais essayer de voir avec Lewis s'il peut pas m'avoir une voiture Legit. Comme ça, j'utiliserai ma voiture, ma grosse voiture, comme coffre. Je le laisse dans mon parking et l'autre, j'utiliserai pour me déplacer. Écoute, j'ai une idée. Qui c'est qui t'a fourni ça? C'est la mafia? C'est la mafia, ouais. Okay. Elle veut te contacter après. Très bien. C'est très intéressant. Je suis fier de toi, Dawson. Non seulement t'as fait le taf à ravir et en plus t'as réussi à choper un petit extra. Je pense qu'avec eux on va aller très très loin. Laisse-moi réfléchir de ce que je vais faire. C'est dans mon coffre. Normalement ils fouilleront jamais par ici et puis on verra où ça mène. Ouais, c'est pour ça qu'il vaudrait mieux qu'on ait cette caisse là pour mettre nos trucs dedans et une autre caisse avec laquelle on se balade. Exactement. Ça fait un coffre fort, tu vois. C'est exactement ce que je vais faire. Mais je le laisse dans le coffre et je dis que c'est quelqu'un d'autre qui me l'a mis si jamais je me fais griller. T'inquiète pas. Je suis journaliste pour l'instant, donc ça devrait le faire. Ok, Dawson. Je vais essayer de contacter Lewis. Est-ce que tu peux me déposer au parking? Au parking central, je m'en occupe. Monte. Ouais. Le mec de la mafia veut te voir après. Il faut que tu l'appelles. Très bien, je m'en occuperai. J'appelle son frère ou j'appelle l'homme à la chemise rose? Non, faut l'appeler lui. Ouais, est-ce que tu connais au moins son nom prénom? Parce que je lui ai jamais demandé. Dawson. J'ai oublié. Non, j'avais zappé. J'ai également les 2 000 $. Je les garde pour moi ou on les partage? C'est ton boulot, je te les laisse. File-moi au pire 100 $ okay. Si tu peux, juste histoire que je puisse m'acheter à boire et à manger. Et tu gardes le reste. Je vais aller voir Lewis, je vais lui demander 800 $ et je m'achèterai une Punto, comme ça, ça... Tu vois, j'aurai une caisse plus... Et exactement ce que je compte faire dans pas longtemps, je vais m'acheter une autre caisse et je vais garder celle-là à la centrale. T'es sûr qu'une fois la centrale sans sécurité, personne peut vider nos coffres une fois dans le parking? Personne peut aller dans ta caisse. Mais t'es sûr que notre coffre est gardé en sécurité? Pas de mauvaise surprise. Ouais, non. Tant qu'ils ont pas de mandat, ils peuvent pas fouiller ta caisse. Est-ce que par hasard, t'aurais pas 800 $ à me dépanner? J'ai plus rien sur moi là, malheureusement, Dawson. Pourquoi tu veux 800 $? Okay. Mais faudrait qu'on aille demander aux deux richoux. Mon Parkinson, je vais déjà gratter 5000 balles, mais peut-être que Jameson peut me prêter 5000 balles. De 800 balles. Il y a un petit problème, Dawson. Je crois que j'ai réussi à dupliquer ma voiture. Attends. Non. Mais attends. Attends, est-ce que t'as les clés de celle-ci? Attends, Dawson. Je crois que j'ai dupliqué aussi le coffre. J'ai dupliqué le coffre? Merde! Ah, c'est la merde, ça a dupliqué le coffre, Dawson, mais c'est pas bien ce qu'on fait là. Oui, non, faut pas. Essaye d'aller regarder ta voiture là. Essaye de la regarder directement là. Viens directement les regarder parce que là. Mais le problème, c'est qu'elle embarque pas ma caisse. Ok, j'ai une idée.
Ah ouais, mais je croyais que ça embarquait ma caisse en fait. Ok, malheureusement j'ai réussi à avoir 5 pochons supplémentaires. On en fera quelque chose, t'inquiète pas. Je vais les rendre au capitaine en trouvant un prétexte. À mon avis, tu devrais te débarrasser de... Non, mais écoute-moi bien. T'as 5 pochons, tu vas essayer de les vendre. Les 5 pochons, je vais essayer de les vendre. Est-ce que t'as une idée du cours du pochon à l'heure actuelle? Une idée. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Les 5 pochons que j'ai, entre guillemets, trouvés au sol, n'est-ce pas, hein? Je vais les emmener au capitaine et... Oh! Malaise devant le commissariat. Professionnalise des ambulanciers. Ah mais c'est, ça serait pas Jameson qui a écrit cet article, bien sûr que si. Oh, si, je crois. Bon, comme je te disais, je mets 5 pochons dans ma voiture. Je garde 5 pochons que je vais rendre au capitaine dès que je le croise. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune putain d'autorité en ville. Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais récupérer déjà la voiture. Hop, sortir le véhicule. C'était bien un bug. Oh. Mais what? Mais ça m'en donne à l'infini. Dawson, monte, on a un problème. J'ai littéralement une voiture à weed. Écoute Dawson, j'ai un très très gros problème. Cette voiture fournit de la weed à volonté. Ouais mais si on se fait choper par les dieux, on est dans la merde. Non mais regarde ce qu'on va faire. On va aller dans un endroit legit et je vais lâcher les 20 pochetons. Aïe aïe aïe, le problème c'est que si on va voir le capitaine, on va devoir justifier pourquoi j'ai de la weed dans mon coffre. C'est la merde Dawson. Ouais faut aller dans la merde, Et d'aller au fort. Ouais mais attends, t'es en train de me dire qu'on va perdre 3000 balles dans cette histoire? Ah, on n'a pas le choix. Ce que tu te rends pas compte, c'est que dedans, j'ai une véritable culture dans ce coffre de weed. Ça pousse très vite. Sûrement dû au toit ouvrant, sinon, je pense. Sinon tu la remets dans ton garage et tu fais une petite sieste. Ok, je l'ai lâché au sol. Tu devrais faire une sieste aussi pour plus que ça... pour plus que tu le vois, si tu vois ce que je veux dire. Tu devrais pas la laisser là. Viens avec moi, personne la trouvera par ici. Repose-la au sol, repose-la, personne la trouvera ici. Non, mais c'est beaucoup trop vu ici. Viens avec moi, viens me déposer, regarde. Allez, monte vite. J'ai pas le temps pour tes conneries. Allô? Allô, Johnson? Oui? Ouais. En tout cas, merci pour pour le commande, votre gars. Mais pas de soucis, est-ce que ça a été clean? Le boulot a bien été fait? Ouais, impeccable. Bon, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de flic au commissariat, mais tant pis. Très bien. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est si vous, vos gars, vous serez intéressés pour, on va dire, du matos. Dis-moi plus. Ben, disons, des armes à feu. Ah, ça commence à nous intéresser? Ah, faut vraiment que j'arrête ça, putain. Bon, y a un dieu qui est rentré en contact avec moi, il va s'en occuper. Bah, raconte chez Onid, Anton. Ouais, écoute, je suis dans un endroit un petit peu éloigné de la ville là, donc parfois ça coupe, je suis vraiment désolé. J'ai une apparition. Ok. Une apparition. Donc, attends, Dawson, tu peux te calmer s'il te plaît? Ouais, on serait fort intéressé, ouais. Est-ce que tu peux me montrer un petit peu la cam que t'as vers 23h30? Bah j'ai rien sous la main, mais je vais pas vous mentir que ça coûte pas non plus je comprends. Des peanuts. Combien d'infos? Bah je vais pas vous mentir que un flingue genre lambda, je vais pas vous mentir que ça coûte dans les facilement 15 000 $, 15 000, 16 000. Écoute, l'argent c'est pas vraiment un problème, ça peut être intéressant, laisse-moi en parler à la famille et puis je te recontacte très vite à ce niveau-là. Ça marche. A très vite. Dawson, on va peut-être pouvoir avoir une première arme. C'est bon, tu l'as posée au sol? Oui, je l'ai posée au sol et un dieu s'en est chargé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils allaient disparaître. Très bien, allez, viens. Ils ont disparu. Il est temps de faire une petite sieste, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Bon, il propose 15 000 balles un pistolet, c'est beaucoup trop. Ouais, tu leur demandes où est-ce qu'est le point de vente de la weed. Écoute, essaye de savoir combien coûte le pochon et on va essayer de le vendre discretos déjà. Okay. Ouais. Fais gaffe à la meuf en rouge qui parle du nez avec son pote. Ah. Elle cherche aussi des points de drogue. Elle cherche des points de drogue? Ouais. Et pour faire quoi? Je sais pas, mais elle cherche des points de drogue. Écoute, on va faire simple. On l'emmène loin et on lui vend ce qu'on a en pochon. Et si elle achète pas, tu sais qu'on peut lui foutre une petite raclée. Non, je pense qu'on devrait pas faire le concours de la ville et trouver des points de drogue. Enfin, qu'on a de la drogue. Bon, allez, viens. Direction centrale. Au parking. Tu peux me ramener au parking? Bon, si le bug persiste... Enfin, le bug. Si le cannabis coule à flot, j'achèterai un nouveau véhicule. Le dieu m'a dit que ça allait être réglé. Ok. Donc, ça sert à rien de quitter ce véhicule. Faudrait que tu ranges le véhicule dans ton parking et que tu fasses une petite sieste. Très bien. Le problème, c'est que j'ai encore 5 pochons sur moi. Va falloir que je m'en débarrasse. Bah, je vais les mettre dans ma voiture comme t'as fait. Très bien. Dawson? Et lui partir. Je vais le cacher quelque part.